Bonjour, je suis Caroline Bally, je suis consultante en images et je vais vous expliquer comment trouver le dress code professionnel. La première étape lorsqu'on veut déterminer le dress code professionnel, c'est de connaître les valeurs de son entreprise. Donc c'est à vous de déterminer si les valeurs de votre entreprise sont plutôt rigoureuses et strictes, ou au contraire plutôt détendues et cool, ou au contraire dans le dynamisme. De cette manière, ça vous permettra de mettre une relation entre les valeurs de votre entreprise et votre tenue. Le deuxième point important, c'est de connaître les codes professionnels de votre métier. Donc là, il suffit évidemment toujours d'être dans l'observation. De cette manière, vous allez regarder vos pairs et suivre ces personnes en exemple. Ça vous donnera une orientation à suivre et surtout éviter les grosses erreurs. Pour finir, le dernier point important est de respecter les codes vestimentaires universels, c'est-à-dire avoir quelque chose de structuré et porter plutôt des couleurs neutres, adaptées à votre gamme de couleurs. Par exemple, si vous êtes un homme, n'hésitez pas à porter toujours un costume sombre et une chemise claire. C'est vraiment la norme la plus importante. En revanche, si vous êtes une femme, les codes professionnels sont un peu plus ouverts. Mais pensez toujours à avoir de la structure, soit par la matière, soit par la forme. Voilà, vous avez quelques astuces pour trouver votre dress code au travail. Et pour égayer ce dress code, n'hésitez pas à porter un foulard, mesdames. Donc si vous souhaitez avoir quelques astuces pour porter ce foulard, n'hésitez pas à regarder le sujet qui correspond.